Hello tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour une vidéo bullet journal. Voilà, donc on se retrouve pour ma vidéo bullet journal du mois de juin. Voilà, donc comme je vous l'avais dit le mois dernier dans ma vidéo bullet journal. Donc comme je vous l'ai dit le mois précédent, mon premier carnet touche à sa fin. Donc ce qui est cool, c'est que ça a duré 6 mois. Donc avec deux, je peux en faire une année entière. Donc c'est plutôt cool. Et donc il me reste bah, pile poil le bon nombre de pages en fait pour faire mon mois de juin. Et donc le mois prochain, je passerai à un nouveau carnet. Donc c'est un carnet blanc, écriture dorée, voilà, toujours la même marque Harry Potter. My Happy Little Life, voilà. Je pense que ça décrit bien notre vie. Voilà, là par contre les pages cette fois-ci sont blanches et j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus épaisses. Voilà, alors c'est une nouvelle organisation parce que du coup j'ai jamais travaillé sur des pages blanches, mais ça ira. Voilà, je pense que je tracerai des trucs en avance et en même temps ça laisse un peu plus de liberté, donc ça c'est cool. Du coup, je peux y aller jusqu'à de juillet à décembre avec celui-ci, je crois. Voilà, si là je lis ma première page de juillet, donc 1, 2, 3. Voilà, après ça dépend de ce que je suis. Par exemple, en juillet août, je sais qu'il y aura plus de pages que d'habitude. Voilà, jusqu'en juillet août septembre par exemple, il y aura peut-être plus de pages que d'habitude. Et en décembre aussi, voilà. Donc après ça dépend vraiment de ce que je veux faire, ce que je veux mettre dedans. Ce mois-ci, on fait un thème jaune, voilà, parce que bah, le mois dernier j'avais envie d'en faire un jaune, mais le sticker n'était pas jaune. Au final, c'était un thème blanc, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Donc voilà. Oui, c'est. Voilà. Voili, voilou. Et bah, du coup, on va commencer tout de suite avec la vidéo. Thank you.
terminé mon mois de juin dans mon bullet. Franchement, je suis plutôt contente du thème jaune. J'ai pas tout rempli parce que voilà, je pense qu'il y a des choses qui doivent rester bah, personnelles après. Sur Instagram, pareil, je mettrai pas. Enfin voilà, je prendrai des photos comme ça, pas remplies. Mais franchement, je suis plutôt contente du résultat. Et de toute façon, vous verrez les pages de plus près sur mon Instagram comme d'habitude. Voilà. Alors ici je peux noter les événements hein, qu'il y a habituellement, enfin normalement il y aurait dû avoir des événements. Mais à cause de notre crise de coronavirus, eh bien voilà, il n'y a pas grand chose de prévu quoi. Ici j'ai pas fait les cases parce qu'en fait je veux essayer de faire des ronds. Voilà, moi je trouve ça un peu plus joli, donc voilà, je vais essayer de faire des ronds pour voir ce que ça donne. Ici donc pareil que d'habitude, et là voilà, j'aime bien le fait de repasser sur le truc et tout, moi j'aime beaucoup, et les petites suspensions en haut, donc voilà. Donc j'espère que du coup ça vous aura plu. Le mois prochain on se retrouve dans un nouveau carnet, voilà, avec un nouveau thème, sans doute par couleur, voilà, parce que je fais souvent mes thèmes par couleur, donc voilà, ce sera sûrement un thème par par couleur, voilà. Alors je mets juste ça comme ça, moi je vais prendre les photos, voilà, et donc j'espère quand même que ça vous aura plu, voilà, je sais pas encore quel quel thème je vais prendre pour le mois de juillet. Il faut que, enfin ça dépend du, ouais, tout dépend vraiment de la couleur du de l'encadré là où il y a les mois en fait. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais je vais essayer de vous montrer. Par exemple ici en janvier c'était blanc, mais j'avais envie de mettre du bleu, donc j'en ai mis. En février c'était rose, donc j'ai fait un thème rose. En mars c'était bleu, j'ai fait un thème bleu, voilà, enfin je sais pas si vous voilà. En avril c'était blanc mais j'avais envie de vert, donc j'ai fait un thème vert et blanc, oui ça s'est décollé. En mai c'était blanc, j'ai fait un thème blanc, et en juin c'était jaune, j'ai fait un thème jaune, voilà. Donc ça, en fait tout dépend de la couleur de l'encadré qu'ils ont mis, et donc voilà. Non, parce que j'ai des feuilles, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin bref, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.